N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si cette vidéo vous plaît. Je vous rappelle que j'ai un compte Instagram aussi. N'hésitez pas, activez la cloche. Vous savez ce que vous avez à faire. Allez, on est parti tout de suite. Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 de Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Vous voyez, je le dis toujours en anglais. Donc, on se retrouve ici parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je faisais très très mal le saut. En fait, il faut que je fasse double saut et que je fasse... Ah merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. J'ai appuyé sur carré au lieu de rond. En fait, faut tournoyer sur soi-même pendant que tu sautes. Comme ça. Hop là. Et là, t'as juste ce qu'il faut pour atteindre l'autre côté. C'est tendu, mais ça passe. Voilà, ça va être chaud. Hein. Ah, j'ai ramassé tous les herbes. Hop là. Voilà, 6, il n'en reste plus qu'une. Ça doit être un oracle précurseur dont le sage parle toujours. J'espère pour eux qu'il n'était pas aussi laid. Qui réveille l'oracle? Attendez, l'un d'entre vous détient la lumière. Depuis l'éternité, j'attends le retour du véritable héros. Présentez-moi 120 orbes précurseurs pour chaque pile d'énergie que je contiens. Ah merde, il en veut 120. Bah j'en ai pas 120 là. Hein. Je sais plus combien j'en ai. J'en ai 95. Et il peut pas m'en donner une. Apportez-moi 120 orbes précurseurs. Et je vous accorderai une pile d'énergie. Ah, c'est 120 pour une seule. Ah. D'accord. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la plage. J'ai appris la roulade. Oula. Du coup, alors je vais aller sur la plage. Parce que normalement, vu que j'ai débloqué le truc bleu, normalement ça me débloque un passage. Donc on va y aller. Parce qu'il me semble... Attendez, hein, je vérifie. Village, ouais... Ok, plage, ouais, il m'en manque deux. Donc normalement... Allez, on y va. Il y en a encore deux, dont celle des mécamouches. Je sais pas combien de mécamouches il me reste. Là-haut, ici, je crois que j'y suis jamais allé. Alors, attendez, on va monter. Ça se trouve, il y a une mécamouche ou un truc. Voilà, on monte... Il y a de la vie un peu partout. Il y a des chiens. Ok, là il y a quoi? Ah bah non, c'est là où il y a l'œuf. Ah bah j'y suis déjà allé en fait. Ok. Donc ça, on s'en fout. On va aller sur la plage. Et vous voyez, il est là-bas le truc. C'est une sorte de bumper. Allez, on plonge, on récupère les herbes. Par contre, l'autre, 120. C'est abusé quand même. En plus, j'en ai 16 et il en faut 20 de piles. Donc là, je vous préviens, minimum, hein, j'aurai les 120. J'aurai les 120, je veux dire j'aurai les 20. Là-bas, il y a une sorte de bumper duquel on peut sauter haut. Là, juste ici, là. Donc on va voir où ça nous mène. J'espère au moins à une mécamouche. Hop là. Oh, ça nous faut sauter loin. Ça, on peut pas le détruire. Sérieusement. Même avec le truc bleu. Si je tombe dessus. Ah ouais, d'accord, ok. Allez, que je tombe dessus. Allez, hop là. Hein. Faut que je tombe sur la caisse. Parce qu'il m'en faut au moins 120. Alors, je prends tout ce qui tombe. Hein. Hop là. Et là, on arrive sur eux. Yes! Une pile. Ça, c'est cool.
Par contre, alors 17, du coup, et on peut utiliser le canon? Ah ouais. Mais genre, détruire quoi? Je vois pas trop ce qu'on peut détruire. Enfin, si ça vaut le coup de détruire quelque chose. Non, à mon avis, il n'y a rien à détruire. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il n'y a rien. De toute façon, là, ouais, j'ai toutes les piles. Il manque qu'une seule. Une seule mécamouche. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Je la chercherai en off. Donc, vous inquiétez pas. Elle sera récupérée. Ça, c'est sûr et certain. À la fin de cet épisode, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la jungle parce qu'il faut que je trouve le pêcheur. Voilà. Sinon, pour parler un peu de Jack and Dexter, le jeu, j'aimerais bien savoir c'est lequel, vous, votre préféré. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé Dexter. Honnêtement, c'était un très bon jeu. Je m'attendais pas à grand-chose et finalement, bah, c'était un super jeu. J'étais un peu surpris. Alors, voilà. Moi, Dexter, j'aime bien. The Lost Frontier, j'ai beaucoup moins aimé, mais parce qu'il y a beaucoup de phases en vaisseau. Et moi, les phases en vaisseau, voilà. J'en avais un peu. Ouais, un peu marre. Donc voilà. Allez, on avance un peu. Faut que je trouve le pêcheur. Et peut-être qu'il faudra que j'aille sur l'île de la brume. Alors, on avance assez doucement. J'ai regardé les autres let's play. C'est ce que je fais des fois, moi. Je regarde où ils en sont. Tu vois, genre au nombre d'épisodes, au même nombre d'épisodes où ils sont, pour voir à peu près si je suis au début, à la fin, etc. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais et là j'ai du retard par rapport à d'autres. Mais bon, c'est pas grave. On profite, hein. On fait ça tranquillement. Aïe. Faut que je fasse attention. Bon, ok. Là, on s'en fout. Je regarde juste. Ouais, il y en a. Alors, il y en a une là. Libère le faisceau d'écho. Ok. Attrape 200 kilos de poisson. Et libère les mécamouches. Ok. D'accord. 200 kilos de poisson? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bizarre, bizarre. Allez, on les tape parce qu'il faut que je récupère de la vie. Et on va descendre en bas parce qu'à mon avis, il est en bas le pêcheur. Allez. Ah bah il est là. Y'a quoi dans votre panier? Rien d'intéressant. Ces monstres de l'océan ont dévoré mon matériel de pêche. Et depuis, ils avalent mes prises. J'ai tout essayé. Mais je n'attrape plus rien dans cette fichue rivière. Vous, votre haleine, sûrement. Tu crois que tu peux faire mieux? Essaie de pêcher avec ce petit filet. Je te donne une pile d'énergie si tu ramasses 200 kilos de bestioles. Et vous laisse à toi et ta crevette dans mon bateau pour aller à l'île de la brume. Alors, tu veux tenter ta chance? Il y a deux types de poissons à prendre. Ceux d'un kilo et ceux de 5 kilos. Si tu laisses passer 20 kilos de bons poissons, je te reprends mon filet. Il y a des anguilles toxiques dans ces eaux. Si tu attrapes une de ces sales bestioles, elle empoisonnera toutes tes prises. Ouais, c'est dur. Allez. Oh, ça va vite en plus. Oh là là. Oh là là. Je galère. Ça a peut-être l'air facile, mais je vous préviens, ça ne l'est pas du tout. Non! Oh putain, le. Je suis trop nul. Allez. Tranquillement. Alors, je vais pas parler beaucoup pour me concentrer. C'est dur en vrai. Non, pas l'anguille. Pas l'anguille. Pas l'anguille. Font chier ces anguilles là, toxiques. Ah merde.
J'en laisse trop passer. Ah, c'est... C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je suis à 81. Oh là là, c'est... Oh putain. J'essaie surtout de pas louper ceux de 5, parce que c'est terrible. Oh là là, c'est trop dur. Allez, je recommence. Ça va trop vite. Allez. Je me concentre. 17, là ça va, c'est bien. Non! Oh là là, bah alors je loupe le 5 et je prends l'anguille. Pourri là. Allez, allez. C'est tellement dur. Les petits jeux comme ça, la con, c'est dur en vrai. Ça va, j'en ai manqué qu'un seul pour l'instant. L'autre, il me perturbe, il me dit gauche, droite, tais-toi. Oula, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. J'en ai loupé aucun, là. Je sais pas comment j'ai fait. Droite, droite, gauche. Je vais te mettre une droite, moi, tu vas voir. Oh, j'en perds trop, là. Non! Oh, j'ai laissé échapper une 5. Les toxiques, merci, mais non merci. Il y a trop de toxiques là, oh. Oh! Mais non, mais c'est trop dur! Oh, c'est infernal! Tout l'épisode, en fait, ça va consister à ramasser des poissons. J'espère que vous aimez bien ce gameplay parce que là. Pêche simulation. Mais je m'améliore, hein. Là, j'en loupe de moins en moins. Fallait que je le dise pour en louper une. Des fois, ils vont trop vite, c'est infernal. Allez, on se concentre. Putain, j'ai laissé échapper une 5. Là, vers le milieu, il me jette plein de trucs pourris, là. Mais non, mais je l'y étais pas. Oh, vas-y. Mais c'est infernal, ce jeu, là. Ah. J'ai trop les boules là, parce que pour moi j'étais pas dessus. Après, en fait, le truc avec les trucs dégueulasses là, c'est qu'ils viennent sur toi en fait. Les autres ils s'échappent à moitié, mais eux par contre ils viennent sur toi. Du coup, bah, des fois la trajectoire elle est un peu bizarre. Mais non, j'étais dessus. Ils ont pas droit de mettre 2-5 en même temps. Mais non! Mais non, mais ça fait déjà au moins 5-6 minutes que je suis dessus, là. Ah, mais quel enfer! Je vais le laisser, ce passage. Ça me rappelle Luna. Quand je galère trop à un truc, ça me rappelle toujours Luna, de toute façon. Ah, saleté de Luna. Ceux qui ont la ref, vous êtes les meilleurs. Ceux qui ont la ref, je veux un commentaire en dessous de la vidéo. Je compte sur vous. On va voir qui sont les vrais, qui sont les faux. Non, je rigole, je dis des conneries. Alors.
Mais tais-toi, putain. Bah oui, manqué. J'ai loupé une 5 à cause de tes conneries. Oh, tu me perturbes. Je vais jamais y arriver, là. Plus que 2. Là, je loupe une 5, c'est fini. Hein. Putain, mais arrête avec... Mais Nick, vas-y, mais c'est un... C'est impossible. Finalement, j'avais dit... Quoi, je suis... Bah non, bah je laisse hein, j'ai perdu d'avance. Quand t'es à 11 dès le départ, laisse tomber. Hein. Moi qui pensais que j'allais avoir les 20 piles d'énergie pour cet épisode, bah là je commence à me dire que... Mais il y en a vraiment qui réussissent du premier coup à faire ça. Parce que c'est des génies, hein. Ils doivent avoir des réflexes de dingue. Allez, 44-0, c'est parfait. Non, mais putain, des fois je suis juste à côté, ça me fout les boules, je vous jure. Allez, là ça va, c'est correct. Je fais un score honorable. Mais regarde, comment tu veux que je les chope tous? C'est impossible. Mais what the fuck? Oh, mais c'est trop dur. Allez, on fait attention. Là, on n'est plus très loin. Là ça va. C'est une bonne partie, là. Fais attention à ces anguilles de merde. Voilà, 159. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Tu l'as fait! T'as pris 200 kilos de poisson! Pas trop mal pour des marathons. Voilà la pile d'énergie promise. Et tu peux prendre mon bateau au port du village, quand tu voudras. Je vais augmenter un peu le son des voix. Parce que j'ai l'impression que on l'entend mal parfois. Pêche miraculeuse! Ouais, en effet, ouais, pêche miraculeuse, hein. Option sonore. Dialogue. Quoi? Ah. Bah, il y a un problème, là. C'est le reste qui est trop élevé, alors. Bah non, 60. Bon, on va descendre un tout petit peu. Mais bon, je pense pas que ça soit ça, hein. Oh, je suis dévasté. Comment ça m'a pris trop de temps de faire ça? Je suis dévastaté. Alors, attendez. Jungle interdite. Il me reste. Libère le faisceau d'écho. Je vois pas à quoi ça correspond. Le faisceau d'écho. I don't know... Ah, c'est peut-être là. C'est peut-être ça. En plus, il y a des... De toute façon, il y a des trucs là, alors on va y aller. Ouais, ma vie, c'est chaud. Donc on récupère tout ce qu'on peut récupérer, on le récupère. On va monter là. À mon avis, c'est là, hein. Ouais, il y a un faisceau là. Donc je pense que c'est ça. C'est ça le faisceau d'écho, je pense. Mais je suis nul, c'est pas possible. Mais c'est... J'ai vraiment du mal avec les sauts dans ce jeu, par contre. Mais what? J'ai du mal à apprécier les distances. Ah, quel enfer. Mais non, mais j'ai besoin de... Vas-y, donne-moi ça, allez. Hop, on met la caméra bien droite, y a pas de problème. Mais ils sont où les trucs? On récupère, voilà. Maintenant, comment je fais? Ok. Ces espèces de tours dans la jungle doivent rediriger le faisceau écho. Allons les traficoter. Ouais, ok, mais il est où le prochain? Ok, là il y a une. Mais non!
Ok, allez, hop, on est à 4. Là, il y a l'air d'avoir une entrée, mais je pense qu'il faut de l'écho bleu. Ok, donc faut bien avoir le truc bleu pour l'activer, pour activer cette porte. Donc ça sert à rien. Là, il y a des trucs en bas, je vais aller les chercher, hein. Ah, il y a un truc bleu là en bas. Ok. Puis il y a pas mal de trucs ici. Ah ouais, donnez-les-moi. Oh bah c'est nickel ça. Une pile plus 100. Allez, hop. Finalement, on va les avoir. Les 20 piles. Parce que là, 19. Et j'ai assez pour aller voir le truc précurseur bizarre là. Pour qu'il m'en donne une de plus. Là, tu vois, je peux sauter pour aller là-haut. Et donc activer la porte sur le côté. Mais je vais faire ça après. Là, en attendant, je vais tuer les méchants. Hop là. Ah. Ok, super. Je suis vraiment. Des fois, je fais des trucs, mais what? Ok, on va aller par là. Ça, on le détruit. Ça, on le détruit. Lui, c'est pareil. Là, il y a des trucs pour monter. Là, tout ce qu'on veut. Ah putain, mais en fait, dès que tu t'y approches, tu te les prends. On va récupérer les orbes. Là-bas, il y a le truc bleu. Pour. Voilà. On va aller là-bas maintenant. Et on va récupérer les orbes précurseurs. Parce que quand t'es le truc bleu et que tu. Ah d'accord. Ok, super. Donc il n'y a pas assez si t'en prends que deux. Ah là là. Des fois, je suis un peu nul. Mais je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit que des fois, j'allais avoir du mal. J'ai pas menti. Je suis quelqu'un d'honnête. Allez, on se rapproche, on va récupérer toutes les orbes. Il y avait l'air d'en avoir pas mal en plus. Ah ouais, quand même, hein. Voilà. Ensuite, on va récupérer les trucs bleus. Et on va monter là-haut, sur le côté. Voilà. Là, on va pouvoir rentrer sur le côté. Voilà. Et une orbe en plus. Enfin, non, pas une orbe, une pile en plus. Et ben voilà. J'ai les 20 piles. C'est cool. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la jungle. On va aller voir le mec. Le sage. Le sage bizarre, là. La statue. Il va m'ordonner une. Voilà. On va la récupérer. Et ensuite, on va aller voir Kera. Je l'appelle plus la meuf. Je l'avais pas reconnue en fait. On va aller voir Kera et on va lui demander. Bah, elle va installer le bouclier. Comme ça, on va pouvoir traverser le canyon. Allez. En tout cas, je suis content. J'ai rempli mon objectif qui était de choper les 20 piles. Je vais même en avoir une de plus. Si c'est pas cool ça. Là, c'est limite limite hein. Que là après là c'est tranquille. Tu vois, tu rentres tranquillement. En récompense, voici une pile d'énergie. Et bim, 21. Donc on va aller voir Kera et on va sauvegarder. Juste avant d'aller la voir, comme ça, c'est ce qu'on fera. Vous avez assez de piles d'énergie pour alimenter mon bouclier thermique. Retrouvez-moi au canyon de feu, sur la falaise derrière la maison du fermier. Amenez les piles d'énergie et dépêchez-vous, mon père a vu de nouveaux lurkers. Ah d'accord, ok. Bon bah voilà ce qu'on va faire. Au prochain épisode, on ira monter et on ira au canyon de feu.
En attendant, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer si ça vous a plu. Et on se retrouve très très vite pour la suite de nos aventures sur Jack and Dexter. A plus dans le bus. Alors je me trimballais à côté du village quand je suis tombé sur la dernière mécamouche. Et du coup, bah, j'ai une autre pile d'énergie. Voilà, je l'enregistre quand même pour que vous voyez que je la récupère. Voilà. Donc c'était les 7 mécamouches du village. Et bim, une de plus. Là, je vous laisse vraiment. Allez, à plus. Allez, comme promis, on va aller chercher la dernière mécamouche de la plage. Et comme ça, j'aurai fait le tour de toutes les mécamouches qui traînent dans le coin. Allez, hop. Entre le village et la plage, ça sera fait. Hop. Donc, il faut aller là. Il faut prendre ça. Ensuite, il faut aller ici. Et il faut sauter juste ici. Et hop. Et bim. C'est récupéré. Et voilà, 23 piles d'énergie. Si c'est pas cool ça. Allez, cette fois-ci c'est vraiment la bonne. A plus, dans le bus.